Pourquoi ce fume-là m'a-t-il ému? Parce que d'abord, je l'ai découvert, et quand on voit un fume après 15 ou 20 ans, on s'aperçoit qu'on l'avait vraiment pas vu. Voilà. Et deuxièmement, parce que qu'est-ce que j'ai découvert là-dedans? J'ai découvert que nos libérateurs et nos amis américains ont commencé par nous détruire. Et s'ils nous ont détruits, c'est pas un hasard, parce qu'ils avaient qu'une idée en tête, c'était de coloniser l'Europe et d'implanter le plan Marshall et d'imposer McCarthy et d'interdire les partis communistes dans tous les pays d'Europe. Et ensuite de reconquérir l'Europe de Goebbels jusqu'à l'Oural. Et on y est arrivé, et on a fait ce travail-là avec eux, et en les aidant, et en leur venant à l'aide. Et nous avons tous été bouffés par le colonialisme américain. Et comment le colonialisme américain a-t-il commencé? Il a commencé le 6 juin à l'aube. Et avec quels moyens? On l'a vu. Moi qui étais un petit con à l'époque, j'avais une mansarde chez mes parents, dans le grenier. J'avais une carte de la Normandie. J'avais des petites épingles et des petits drapeaux. Pendant toute la campagne en question, après le débarquement, je déplaçais les drapeaux en voyant la progression des alliés. Des alliés. Et ça me faisait du bon au cœur. Et bien j'ai découvert que j'avais été trompé comme un gamin, comme on trompe tous les gamins. Voilà. Et que je m'étais fait avoir. Donc, ça m'a fait un choc terrible. Je le savais, mais là, je l'ai vu concrètement parce que le film est concret. Maintenant, si c'est ça que j'aurais dû dire l'autre soir, eh ben, c'était vraiment pas de mise après que le film avait eu lieu. Vous voyez, on tombe calmement. Non, Cézanne, et après, vous me ferez faire tous les discours que vous voulez. Je suis du bois dont on fait des flûtes.